Bonsoir. Ça va, tout va bien? Ouais, vous êtes bien installé? Alors, avant de dire quoi que ce soit, bon, j'aurais dû checker le plan de feu depuis la scène, clairement, parce que là, je pense que je vais bronzer. C'est parfait. Je vais vous proposer un petit exercice. C'est vraiment une grosse connerie. Mais j'aime bien les grosses conneries. On va vous proposer de vous lever, enfin, je vais vous proposer de vous lever et de bouger votre chaise. Voilà, je ne sais pas du tout. Je vais compter jusqu'à 10, histoire de canaliser le truc dans le temps. Et en fait, l'idée, c'est de foutre un peu le bordel, parce que c'est vraiment trop aligné à mon goût. Voilà, je suis un peu psychorigide, j'ai des problèmes avec l'espace. Voilà, donc je vais compter jusqu'à 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous pouvez vous rasseoir. Ah! C'est génial. Vous êtes exceptionnel. Je remercie Lucille, ma chargée de coprod géniale, qui a proposé cette idée. On peut l'applaudir très fort, c'est une idée merveilleuse. Alors, comme vous l'a dit Estelle, je m'appelle Claire. Vous pouvez aussi m'appeler Salvia, soit l'un, soit l'autre, ça dépend, ça oscille en fonction de l'alignement des planètes. Et c'est moi qui vais m'occuper de présenter les intervenants et intervenantes et de vous mettre en condition, hein, avant ce qui suit. Voilà. Et donc, je vais commencer par ma petite étude sociologique usuelle, hein, ce que vous apprendrez à me connaître, je suis un petit côté sapiosexuel. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne savent pas ce que c'est que le sapiosexuel? Non, c'est vrai? Il n'y a que deux personnes qui ne savent pas? Ou vous vous cachez? Il y en a qui se cachent. Je suis sûre qu'il y en a qui se cachent. Alors du coup, pour ceux qui ne savent pas et qui ont eu le courage, hein, de dire qu'ils ne savaient pas, la sapiosexualité, c'est en gros, si je la fais très courte, des gens qui vont être stimulés sexuellement par l'intelligence des gens. Donc en gros, moi personnellement, plutôt que me masser les pieds, tu me dis dichotomie et sémantique à l'oreille et je prends 5 degrés. Voilà, pour la faire courte. Voilà, du coup, je fais de la sociologie. Sauvage, ici. Est-ce que les personnes qui ne sont jamais venus à Histoire de cul peuvent lever la main? Oui, on peut les applaudir très fort. Waouh. Ok. Mm-hmm. Bon, vous êtes des grands malades, j'adore. J'adore les néophytes, vraiment. Ça fait partie. Après dichotomie et sémantique, je pense que c'est mon top 3 des kings dans la vie. Voilà, c'est les gens qui viennent pour la première fois aux chaiteuses. Voir histoire de... Ça va bien se passer. Hein, je vais être là pour vous accompagner, vous inviter à prendre des grandes respirations. D'ailleurs, on va commencer par ça. Hein, je sais pas, moi je me sens un peu speed, je pense que ça va me faire du bien. Je vais me poser déjà, hein, dans un premier temps. Ah. Alors, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont le cerveau qui turbine particulièrement? Ouais, hein. Est-ce qu'il y a des personnes à qui c'est déjà arrivé, t'es en pleine action avec ton ou ta partenaire du moment, qui clairement est quelqu'un qui sait y faire, hein, d'un point de vue objectif ou pas, mais clairement la personne sait s'y prendre, elle est en pleine dévotion pour te faire prendre le pied de ta vie, et toi, t'es en train de penser à ton Google Agenda. Et tu t'en veux, et tu culpabilises, tu dis non franchement sérieux là, non mais attends t'as vu ce qu'elle est en train de faire, c'est un truc d'ouf, non mais attends, attends merde j'ai oublié d'envoyer le mail, bref, et c'est pas cool. Alors j'ai un petit tips pour vous dans ces cas-là, on va le faire tous ensemble. Vous allez imaginer que vous venez de faire 800 km pour partir en vacances, ok? Et vous arrivez sur votre lieu de vacances avec vos bagages bien chargés. C'est une métaphore, hein? Vous imaginez que vos bagages, c'est votre semaine de boulot avec votre patron qui vous fait chier. Pour celles et ceux qui sont encore salariés, beaucoup de compassion. Voilà. Ça va. Ne prenez pas tout ce que je dis pour parole d'évangile, hein, ça va, j'ai aussi un parti pris. Donc voilà, vous arrivez sur votre lieu de vacances avec vos bagages. Donc on peut s'imaginer que vous portez vos bagages, vous levez les épaules très très haut, comme ça. Ah, les bagages très très lourds, vas-y, allez-y, levez les épaules. Ah, on porte les bagages, c'est très lourd. Ah, ok, très bien. Et là, on lâche les bagages. Oh, voilà, on pousse un grand soupir. Et là, je vous explique, et après on va le faire. Vous allez prendre une grande inspiration profonde. Et sur l'expiration, vous allez dire à haute voix, vacances. Ok, alors on va le faire tous ensemble, on porte les bagages, c'est lourd, on pose les bagages, ah ouais, grande inspiration,
Ah, vacances! Alors là, à minima, vous avez un sourire débile sur le visage. Voilà. Or, petite croquette neurosciences, ce n'est pas parce qu'on est heureux qu'on sourit, mais c'est parce qu'on sourit qu'on est heureux. Hein ? Donc là, déjà, premier petite croquette gagnée. Et là, en général, ce qui se passe, c'est que votre cerveau se met vraiment en vacances. Parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce que vous lui racontez. Hein ? C'est pour ça que parfois, vous avez l'impression de vivre dans le fin fond de l'apocalypse, alors qu'en fait, non. Ça marche dans plein de situations. Donc là, quand vous lui dites vacances, en fait, votre cerveau, pendant quelques secondes, voire si vous êtes très fort, quelques dizaines de secondes, se dit vraiment que vous êtes en vacances, sur la plage, les doigts de pied en éventail, avec un mojito ou un Virgin Mojito, on s'entend, voilà, et vous êtes en vacances et d'un seul coup, vous revenez au présent. Vous pouvez aussi, dans ces cas-là, penser à vos pieds, parce que, a priori, si vous vous sentez perdu, vous êtes au-dessus. Voilà. Donc ça, quand vous êtes en pleine action avec Josiane ou Josigno, ça marche assez bien. Alors, si la personne n'est pas prévenue, évitez de dire vacances à haute voix. Ça dépend du partenaire. Ça marche aussi dans le métro avant une réunion, avant une prise de parole en public. Ça marche assez bien, ce petit tips de vacances. Si vous testez, je veux un MP dans la boîte d'histoire de cul ou des chaiteuses pour savoir comment ça s'est passé. Ok ? Voilà, c'était cadeau. Comment vous vous sentez ? Bien ? Ok, cool.